Salut les amis, je voulais commencer cette vidéo en faisant un gros big up, un gros remerciement à Arnaud Daniel qui a réussi à nous choper une petite dédicace de l'Idiop. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur là, il chante avec Vanupier la chanson Rocamadon qui est super connue. Donc l'Idiop, allez voir sur YouTube, et ben Arnaud Daniel l'a vu dans un petit festival, un petit concert. Du coup, il nous a envoyé une petite dédicace. On va commencer la vidéo avec cette petite vidéo-là de la dédicace de l'Idiop. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que je le dis des fois, et à mettre des pouces. Et puis encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Comme je vous ai toujours dit, je suis transparent dans mes revenus YouTube, vous le savez. Et là, on a eu un revenu à 1 431 €. Bon, après, ça va descendre. Là, c'était un pic que j'ai eu grâce à la vidéo, vous savez, du redémarrage de bus qui avait fait plus de 140 000 vues. Donc voilà, c'est pour vous tenir au courant. Donc on a fait ce mois-ci 1 431 € grâce à vous, la rémunération des pubs YouTube. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous fais des énormes, méga gros bisous. Kiffez bien votre racine avec ce qui va suivre. Parce que franchement, nous, on a vu plein de monde dans le Nord. Là, on quitte le Nord aujourd'hui. On a vu plein de monde dans le Nord. Plus d'une trentaine d'abonnés qui sont venus nous voir facile, voire peut-être même une quarantaine. Donc franchement, on vous fait tous des gros, gros bisous. Et puis, à la prochaine. Et éclatez-vous avec la vidéo. Bye bye. Et merci. Bisous, l'Idiop. Ah, j'ai quand même oublié de vous dire, si jamais vous avez envie de contacter Arnaud Daniel... qui vit de plein... Ah, ils sont en train de monter le porte-moto, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Qui vit de... Comment ça s'appelle? De petits festivals, de petits festoches. Oui, il y a Leaf qui nous a rejoint, le frère de Jérém aussi. Mais tout ça, vous verrez ça plus tard. Je vais pas tout vous spoiler. Eh ben, contactez Arnaud Daniel sur son Facebook. C'est un saltimbanque. Il fait plein de petits spectacles. Il travaille avec les ballons. Vous savez, les ballons, il fait des pour les enfants, il est habillé en clown et tout ça. Et c'est la personne qui a vu l'Idiop dans la vidéo qui va commencer. Donc n'hésitez pas à le contacter pour lui proposer un petit peu de travail dans vos festoches ou vos soirées animées ou n'importe quoi. Arnaud Daniel, voilà, sur Facebook. Mais sinon, je vais vous incruster son Facebook, ce sera plus simple. Allez, bisous tout le monde. Un petit dédicace, je suis avec l'Idiop. Yes, big up, ça fait plaisir, on va parler de vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire et ça serait un honneur pour moi et un plaisir de vous rencontrer. Pour le Gaulois et sa famille, Lydia Bella, one love, respect, merci beaucoup. À très vite, comme ça on se verra et je vais venir dans le camion. Allez Bruno, ça c'est pour toi. Bon bah du coup on a le droit à un bon petit couscous quand même. Hein. Ma petite chérie elle a fait ça. Voilà. T'as parlé comme un ch'ti. Ma petite chérie, elle a fait ça. Mais non. Non, mais oui. Bah non, bah oui. Parlez normalement. Bienvenue à. Ouais. Bienvenue à la famille gauloise dans le Nord. Carrément. En plus, on a un peu de soleil. Oui, bah là, oui, ça commence à se rafraîchir. Ouais, mais on n'a pas de pluie. Non. On n'a pas de pluie. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit venez ce week-end. Parce que c'est le seul week-end dans l'année où il fait beau. Où que tu sois dans 5 ans, reviens nous voir au même endroit. Avec plaisir, avec grand plaisir. Non, Mano, tu ne feras pas de moto, Mano. Non, ce n'est pas la peine d'insister, Mano. Tu ne feras pas de moto. Je vais en faire. En fait, tant que je ne suis pas tombé avec, que je ne l'ai pas abîmé, t'en feras pas. Non, mais sinon, je le prends. T'es à ton combien de kilomètres ? Alors, le problème, c'est qu'en fait... Je m'en occupe. Non, mais ce qu'il ne sait pas... Il l'aura abîmé. Ce qu'il ne sait pas... Ouais, voilà. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, ce n'est pas l'alcool qui va me... C'est plus il boit, mais il en fait. Bon, on a trouvé un deuxième Père Nono. Je crois que là, c'est la fin. C'est la fin. Un minouche. Bon les enfants, vous avez le droit à un super cadeau là. Ouais. Vous avez dit merci à Jérémy. Merci. Jérémy il a ramené plein de matos de pêche, c'est super gentil. Bah là ils sont équipés. Donc va falloir en prendre soin. Hein Jojo? Ouais. Ouais ouais. Donc t'as plus qu'à tout trier. Il aura même ramené un tabouret. Rangement pour tout ranger, des cannes. Putain mais tout ce qu'il y a, eh. Oh. Bah ils sont équipés avec ça. Bah super gentil, eh. Hein?
Bah dis donc, franchement, c'est un beau cadeau, ça, mon père. Ouais, bah, ça fait plaisir. Bah ouais. Ça sert plus, autant que ça sert. Nous, on peut te donner un autocollant, mais... Ça y est, tu me l'as déjà donné. Bah, t'en donner deux ou trois, quand même. Vas-y, là. La classe. Moi, je veux le poignel. Eh, regardez, on a encore une Rolls Royce qui arrive. Bah, de toute façon, comme tous nos abonnés, hein, ça roule en Porsche. Bah, c'est ça. C'est le voyage, voilà. Il est toujours là, lui, toujours vivant. Et je roule tout le temps. Je parle du camion, pas toi. La classe. Bon, on emmène toute la petite colonie d'abonnés au Loisipark. Vous avez pris vos masques, vos maillots de bain? Armel, tu tiens la main, Cédric. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, il y a des nouveaux, ils sont arrivés, on leur saute dessus, les pauvres. Allez, hop, au Loisipark. Ils ont même pas le temps de respirer. On se posera tout à l'heure. Là, c'est Loisipark. Hein, Mathieu? T'as mis ton maillot de bain? Ah, oui. T'es bien. Tu donnes la main à, tu donnes la main à Sabrina. Dépêche-toi. Allez, deux par deux. Jérémy, tu donnes la main à Lily. Allez, allez, tu donnes la main à Lily. Ah là là. Allez au Loisipark. Bon, Nana, on t'attend à la Corée là. Oui, bah non, mais après, il faut. Je m'appelle Nana. Autant que je m'échange. Je vise à Loisipark. Ouais. T'es un peu gaulé comme lui, hein, regarde. Bravo. T'es un peu gaulé pareil, hein. Ah ouais, surtout la tête. Il y a le même sourire. Bon, on va ouvrir le petit cadeau que nous ont ramené. Attends, je sais même plus d'où ça y est, les prénoms. Manu et Amélie. Manu et Amélie. Voilà. Il y a un abonné qui a mis un commentaire tout à l'heure, je lisais. Il a dit le mec, il invite des abonnés, c'est même pas leur prénom. Bah oui, mais. Hein? Il y a même Iris qui a son cadeau, dis donc. Iris et Minouche. Une petite veste. Il y a les prénoms normalement. Ah, mais il y a Bob derrière. Ah, Bob Marley. On sait pour qui c'est du. Ouais. Ah, non, non. C'est bon, chérie. Léa. Ah ouais, la classe. Léa. Bah Léa, elle est pas là. Ah ouais, bah ouais, Léa, faudra qu'on lui transfère. Chacun son petit cadeau. Même gentil, Obélix. Ça. Obélix. Même Obélix, dis donc. Attends, je veux l'ouvrir celui-là. Ouais, je vais voir ce qu'il y a, l'Obélix. Mais il veut l'ouvrir. Ouais, il va avoir du mal. Ah, oh, c'est joli, eh. Mm-hmm. Ah ouais, dis donc. C'est quoi, attends. Maman, hein? Oh là là, carrément. C'est quoi? Une horloge. Ah ouais, il fait carrément des gros trucs en résine. Ah ouais, super joli. Sympa. Touche pas, casse pas. Bon, bah ok. Bah, attends, on aurait dû les attendre aussi. Attendez, on va attendre qu'ils arrivent, attends. Merci pour les cadeaux. C'est trop mignon. Bah, je leur dis, attendez qu'ils soient là pour les ouvrir au moins. Regarde-moi ça, ils sont impatients. Ouais. Comme ça, au moins, on sera toujours à l'heure. Et donc, c'est vous qui les faites? C'est Manu qui les fait. Sympa. Oh, sympa, ouais, juste une petite pile et puis. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est cool. Bon, on va mettre ça dans la cabine. Impeccable. T'as pas un crayon que je marque un truc sur ton cas? Si, je vais te donner ça. Je dois mettre un numéro. Ouais, je vais te donner ça. Ben, merci pour les petits cadeaux, hein. Fait main en plus. La plupart fait main. Bon, t'as pas fabriqué les croquettes en résine quand même. Ouais. Et Minouche, il est où pour son cadeau? Une petite toupie. Fait main aussi, ça, non? Ah ouais, sympa. Excellent. Tu as essayé sur la table? Oui. Ça marche? Oui. Parce que s'il donne des cadeaux qui marchent pas. Ouais, ouais, nickel. C'est cool. Ah bah, Iris, elle aimait son cadeau. T'en as laissé une, Iris? Il est où, Minouche? Je sais pas. Attends, je vais ouvrir le mien, moi, quand même. Bon, ben, merci à Ludo aussi, hein. Depuis le temps que je le suis, Ludo. Ah, ah, ça va. Bon, ben, avant que les chiens se chicanent, j'étais en train de dire merci, Ludo. Et de rien. Parce qu'il nous a ramené, bah, déjà des bons gâteaux, on va se régaler. Et puis, ça tombe bien, parce que moi, après la piscine, j'ai un petit creux. Ouais, ça fait toujours du bien. Ouais. Et puis aussi, il m'a ramené des petites Clefacom. La classe. Ouais, qu'est-ce que tu m'as ramené d'autre? Attends, ça y est, moi, la mémoire. Un disque dur avec des films. Un disque dur avec plein de films et des animés. Plein de trucs pour Sabrina pour elle faire ses... Voilà, les trucs pour les autres après et tout. Complet de trucs. Et plein de chocolat, de bonbons pour les gamins. Un kilo de... Ouais. Léonidas. Bah, c'est cool, merci. Ah ouais, bah, ça fait un moment qu'on suit un petit peu, bah, que tu nous suis. Et sur Messenger, les petits messages et machin. Chauffeur de bus comme moi. C'est quand t'en aménages un et puis que, whoop,
la route. Je vais demander de l'argent à mon patron et puis ouais, voilà, c'est ça. Je récupère un de ses cars s'il est d'accord. Mais enfin, on se sera vu, enfin. Ah, ça fait un bail. Bah, c'est cool, ça fait plaisir. Puis on a du soleil, ça fait du bien. Ah ouais, mais là, de ouf. Hein. Eh ben merci. Mais de rien. Bon, je peux pas m'empêcher de refilmer ce petit J9 là. Franchement, ça c'est du vrai route. Moi je kiffe. Ça c'est du lourd. Bravo mon père. Merci mon père. Bon ben, si t'as besoin de changer une bougie, tu peux la changer en roulant. Un injecteur plutôt. Voilà, nickel. T'as le moteur dans la cabine. C'est pratique. Voilà. Il tourne comme une horloge en plus. Ouais. Alors moi j'adore. Hey, t'as vu Ludo? T'as vu son siège? Il a mis un siège de bus. Ouais, il l'a piqué dans mon bus. Ah, elle est bien. Hein. Ouais, ouais. Ah, moi je suis bien. Je suis juste à la hauteur, tout vraiment nickel. Et puis madame. Bah, tu l'as vendu pas cher de toute façon. Elle a un siège Kangoo. Madame, elle a un siège Kangoo. Madame, un siège Kangoo. C'est plus confortable. Madame, elle a le confort, madame. Voilà. Voilà, classe. Alors tu vois, tu peux surveiller ton niveau en roulant. Ton niveau de liquide de refroidissement, tu peux le surveiller en roulant ton niveau de chaque fois, tu mets 2-3 gouttes et ça coule partout, mais ça va rien. Oh, j'adore. Je peux filmer dedans ou pas? Ah oui. Hein. Ça te gêne pas? Ça vous gêne pas, madame? Non, ouais, j'ai déjà filmé en plus. Ouais, mais il a été amélioré. Ah oui. Là, il a mis la gazinière. Comme ça, madame a peu cuisiné. La classe. Un lit, un grand lit pour les câlins, parce que ça, c'est important quand même. C'est pour la santé. Ah, ça c'est important. C'est pour l'hygiène. Mon... La douche et les toilettes. Ouais, voilà, nickel. La classe. Rien besoin de plus. Ça, c'est un peu. Et là, il y a la mezzanine pour le bordel, non? C'est ça. Hein. Ah, mon pied, il est deux fois. Il y a même le tien. Hein, mon tien. Donc voilà, un vieux J9 de 79. Et combien de kilomètres? 160 000 kilomètres. Bon, ça va, il est tout neuf. Il est tout neuf, il sort de rodage. Bon, vous l'avez déjà vu à la gauloiserie, hein, mais bon, vous le revoyez une deuxième fois. Voilà. Moi, j'adore. Le top. Tiens, ça filme, tiens. Bon, bah, c'est bon, merci, je sais même plus ton prénom. Bah, à chaque fois. Thierry. Merci, Thierry. Mais je, crois que, je crois pas que Sabrina, elle voudra faire l'échange. T'as un peu moins de place. Oh. Oh. Donne-lui les clés. Les clés, elles sont sur le bus, hein, du bus. Les clés, elles sont dessus. Donne-lui les clés. Allez, donne. Il va le démarrer. Ouais, mais en même temps, changer de femme pendant que vous y êtes. Elle est où la première, là-dessus? Ah ben, attention, il y a le... Ah ouais, merde. Merde. Je vais emmener le Storban avec. Ah ouais. Fais des pauses, sinon après, je vais devoir faire des montages. Bernard, recule-toi. J'ai tout à prendre. Alors, attention, bah non, hein. Ah si. Et je croyais que les Indénors, il n'y avait pas de préchauffage. Si, il y en a un. Ah, bah, bravo, on applaudit. Allez, on y va. Ah, applaudit, bravo. Bravo. Chéri. Oh. Chéri. On y va, là, oh. Ouais, ça vibre un peu, quand même. Hein. Ouais. Allez, bonjour, ça, grâce à Dieu. Il faut le sentir, hein, faut les gagner les kilomètres. Hein. Ah ouais. Bon ben comme d'habitude, quand on fait un petit appel Facebook, il y a toujours du monde qui arrive. Voilà. Et ça c'est super cool. Il y a plein de monde. Ça y est, ça se transforme en camping ici. Comment ça va finir? Encore avec la policia, c'est ça? Et puis il y a même les copains et copines d'Antoine qui se ramènent aussi. Alors là. Puis en plus ils seront en tente. Alors là on va se faire virer direct. Bravo! Ce sera de votre faute! Pour une fois, ce sera pas la mienne. Quoi? Il y a même des bébés. Ouais, il y a même petit bout de chou. Bonjour, ouais. Madame. Il y a de la place? Ouais, il y a de la place. Vous avez vos papiers? Il y a toujours de la place pour les copains qui passent. Donc, bah, petit barbecue qui se met en route, tranquillou, normal. Hein? Si. Si. Non, arrête, elle veut pas être filmée. Oh. L'embête pas. Ben, on pensait que c'était Léa ou Malicia qui allait nous faire le premier petit, puis bah, au final. Ah, bah, tiens, regarde! Tellement je dis des conneries, on vomit. Eh, c'est ça. Eh, mais bon, le Ricard, ça passe pas sur les bébés aussi, faut le dire. Puis finalement, bah, c'est Lily qui nous a fait la première. Bah, doucement, la secoue pas trop. Elle vient déjà de vomir. Tu veux un bébé plus tard? Oui. Non, là, faut dire non, faut répondre non. Ou très tard, à quel âge?
vu comment elle a été attirée l'âge direct par le petit. Hein? L'âge de Léa. L'âge de Léa? Ouais. C'est un peu tôt quand même. quand on fait un petit appel Facebook, il y a du monde. Donc du toit d'Obélix, en direct du toit d'Obélix. La classe à Dallas. Salut mon père. Voilà. Le J7. Des voitures des copains d'Antoine. Il y a du monde quoi. Et tout ça sous un beau soleil du nord. Un beau ciel bleu. La classe. Ouais, arrêtez de vous la péter hein. Il pleut toute l'année, ça va. Nouveaux qui sont arrivés là-bas, hein. On les connaît pas, mais c'est pas grave. Bienvenue c'est la famille. Bon, c'est ça, c'est la famille d'Alcoin, c'est ça, des Chcoins. C'est de ma coin. Eh bien, il en connaît du monde, Antoine, hein, mine de rien. Il va jamais repartir, en fait. Ouais, il fait du 3h, 3h30, 4h du mat avec ses potos, hein. Je pense qu'on va jamais le revoir, il va jamais repartir avec nous. Ça va trop lui manquer, tout ça. Bon, bah, ça y est, c'est du grand n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Et voilà. Enfin, ma tronçonneuse à remarche. Elle est réparée. On va pouvoir faire un bon petit feu de camp. Ça va, on a des petits jeunes qui travaillent bien. Bon, du coup, on arrive à se faire un petit chaudron, mais c'est dur, hein. Il a du mal à prendre, hein. Mais t'avais dit qu'il était vert. Ouais. Il prend, mais gentiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit chaudron. Ça fait plaisir. Bon, il est 3h30 du mat, après un bon feu de camp, avec les copains d'Antoine et puis bah, tout le monde, hein, tous les abonnés. Franchement, on a bien discuté. C'était bien cool, bien sympa. On va aller faire un gros dodo. On a passé l'âge de ces conneries, bordel. Bon, allez. Et puis une chasse aux mouches. On vient de chasser toutes les mouches parce que là, ras-le-bol. Les mouches qui se réveillent le matin, il y en a marre. Donc on vient de passer un bon quart d'heure, 20 minutes, à chasser les mouches. Allez, bisous, bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, regardez, on a des nouveaux qui sont arrivés. La Fun Family WD. On a des nouveaux qui sont arrivés, là. Ça va, les skibidoutes? Salut. Comment ça va? Bah nickel! En pleine forme! Oh! Un beau bébé! La petite nouvelle WD! Du coup, vous avez pas pris un chiolet alors? Ah ouais! Oh merde, c'est con! Bonjour toi! C'était pas prévu! C'est Miss Luna! Miss Luna! Miss Luna! Hein? T'as l'air joueur tout ça! Ah oui! Avec les petites dents pointues! Ouais! Bon, bah on est dans votre coin! Oui, t'es dans un coin, comme on dit, c'est ça? Ça fait du bien de vous revoir. Oui. Dernière fois, c'était à Malaga, vite fait, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, on est un peu sous le climat de Malaga. On est revenu à Malaga. Aujourd'hui, il fait 27, on a. Ouais, ah, mais ça cogne, hein. Oh. Bon, bah voilà, il y a toujours du monde, comme d'habitude. Bonjour, les parents. Luna. On a même le droit à toute la famille de la Fun Family WD, qui ça rigole pas. Moi je suis gagné du. Ouais, mais moi je voulais manger vos petits plats du pays là. On devait passer, tu te rappelles ou pas, il y a un moment on devait passer chez toi pour goûter tous tes petits plats et tout ça. Bah si on a encore un week-end, je ramènerai. Ouais, mais nous faut qu'on avance, nous, hein, parce que nous c'est comme ça partout. Ah bah ouais. Ah bah il y a un moment faut qu'on tourne. Hein. Ouais. Hein? Ah non, on va. Après-demain, on est, ça y est, on est en Inde. Va falloir remettre un peu de chevaux au bus quand même, parce que. Merci d'être passé. Mathieu Père, à la prochaine. Sophie et Blond. Et je blond. Bon voyage. Ouais, voilà. Bonne route. Ouais. Et au plaisir de te revoir. Non, mais t'inquiète, je te retrouve sur le circuit de. Du Number Green. Number Green. Je vais te faire une race avec Obélix, mon père. Et franchement, ta petite bécane là, mais même pas. Tu as même pas réussi à suivre. Au plaisir. Ouais. Allez, merci ciao, d'être passé, ciao. C'est gentil. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao. Bon, un petit loisipark du coup avec la Fun Family WD. En fait, on fait tous les jours au loisipark, nous. Il fait 40 degrés. Ouais, ça cogne de ouf. On est 13, nous, nous en reste une, donc il faut 12, donc il faut un ticket de 10 et 2 places. Ouais, 10 et 2 places. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est reparti pour un petit loisipark encore une fois, hein. Ah, ils en auraient fait du loisipark. Et voilà,
les bateaux tamponneuses. La classe. Il y a par là Liam aussi. Il a fait une photo. Ah, Charles-Henri de Bogos représente. Ah, regarde-moi. Même pas. Te la raconte pas avec ton bateau, on vous a mis une quiche là, franchement, dans la piscine, arrête. On vous a battu. Allez, c'est parti pour une petite balançoire. Et Liam, tu sautes après. Oh. Tu me dis quand tu sautes. Vas-y. Vas-y. Ouais. Pas maintenant, elle a dit ça. Un. Deux. Trois. Ouais. Bon, on va dire au revoir aux jeunes. Merci d'être passés, les jeunes. Et suivez le voyage. Ça va, on va balancer du lourd. On va balancer du lourd. Parce qu'en fait, c'est des petits jeunes, mais nous suivent depuis longtemps. Et suivez la suite. On va balancer du lourd, pour de vrai. Salut les jeunes, à la prochaine. Salut. Bon bah du coup, petite balade du soir, bonsoir. Sympa. Un petit coucher de soleil magnifique. On peut se baigner ici. Bah ouais. Bah, oui. Ah, c'est super joli. Comment c'est joli. Ah mon Jojo. C'est chouette. Hein. Super joli. Donc voilà, il est 22h, nous voilà arrivés au City Park. Ouais, c'est comme ça, chez nous. Il n'y a pas d'horaire. La classe. Non, celle-là, c'est comme... Bon, bah ce soir, c'est reparti. Petite soirée entre poteaux. Avec mon pote Jean-Jean qui est venu me faire un petit bisou. C'est super cool. Ça fait plaisir de te voir, mon pote. Ah ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais, à chaque fois que... Toujours des petits messages avec mon pote Jean-Jean. Tous les ans. Ça fait super plaisir. Bon, ça y est, on a Jean-Jean avec nous. Tout de suite, ça part en bushcraft. Hein. Les gamins, ils nous font des cabanes, là, depuis tout à l'heure. On va avoir les gendarmes à cause de vous. C'est pas bien, les enfants. Si, c'est bien. Ah bah, ok. Salut. Il va mieux, là. Et d'ailleurs, j'en profite pour reparler de la chaîne de Jean-Jean. Allez voir la chaîne de Jean-Jean. Jean-Eau vers un retour aux sources. Ah, je m'en souviens, t'as vu un peu. Moi, je suis pas très insidieux au début des vidéos. Mais voilà. Ouais, mais bravo, bravo, bravo. Donc abonnez-vous à fond à sa chaîne. Et puis voilà, allez voir ce qu'il fait. Ces petits bivouacs, moi j'aimais bien, c'était les petites vidéos de bivouac. C'est sérieux ? Avec, c'est, comment s'appelle déjà là ? Lia. Lia ? Ouais. Petite malinois, qu'est-ce que c'est beau les malinois, j'adore. Après, c'est un caractère un peu, ouais. Celle qu'on avait, nous, qui s'appelait Cheyenne. Elle serait morte pour toi, quoi, pour te suivre. Ouais, ouais. Les malinois, c'est vraiment très proche de leur maître. Il fait super chaud, on a trop chaud. On va aller se baigner dans le marais, parce que là... Donc on va se faire le petit barbecue, tranquillou, puis après baignade dans le marais, obligé. Même si ça pue la vase, on y va quand même. Tranquille la famille. Tranquille la famille, parce que là, vraiment... Non, on va... À l'Oisipark. Tu crois qu'on va faire 4,50€ tous les jours? C'est une blague. On saute au pont. Bah non, faut prendre les voitures et tout, non. On fait des saltos arrière. Mais non. À l'arrache, dans le marais. Non. Elle est belle, hein. Lia. Assis, assis la fille, assis, assis. Assis. Lia. Assis. Assis. C'est bien la fille. D'un patte. Non, ça donne pas la patte, un chien de... Ouais. Qu'est-ce qu'elle a vu, là? Ah. Et celui-là, là aussi, là, celle-là. Ouais, petit bout de chou est mignonne comme tout. Premier bivouac. Hein? Première sortie. Ouais, premier bivouac. Petit bout de chou, là. 4 mois aujourd'hui. Ouais. Eh ben, mine de rien, ils ont fait une belle cabane, les enfants. Je crois qu'il y a Jojo en train de s'endormir pour la sieste, là. Jojo va faire sa sieste. Hein? Tu veux dormir, là? Tu veux dormir là, papa? Hein?
Pour la nuit? Ouais. Oh non, pour la sieste. Pour la sieste, ouais. Ben non, pas pour la nuit. Allez là, Pichou. Une nuit blanche. Viens. Par contre, on n'aura pas assez de trucs. Elle court, hein. Oh, oh. On m'a ruiné la jambe. Oh là 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 là. Ça gueule tout le temps ces chiens. Bon mon poteau Jean-Jean il nous fait un bon petit barbecue tranquillou. Ça va, t'as pas froid là? Non, ça va. Nickel hein. Ça va. La classe. La classe à Dallas. Ouais. Bon allez baignade maintenant. C'est trop chaud. Avec des bons petits chocolats Léonidas que nous ont ramené des abonnés. La classe. Ma petite femme vient de me reprendre, c'est Ludovic Michaud. Excuse-moi mon pote, j'avais déjà oublié moi. Et il reste même de ces bonnes tartes qui sont trop bonnes là-bas, on les voit pas là, en dessous en orange, qu'on a mangé ce matin au petit-déj, un délice. Et bon, tu filmes? Bon ben voilà, une petite baignade tranquille avec mon pote Jean-Jean. Hein? C'est mieux que les piscines pleines de chlore. Hein. Oh là 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 là. Pour moi, ça pue pas. Ouais. Impeccable. Je vais essayer de pas tomber. Bon, mais en fait, là, c'est Karine qui tient le téléphone, mais là, on arrive pour la mettre à l'eau. Mais bien sûr. On met pas à l'eau, moi. Tu es pas joueuse. Hein. On va mettre Célie à l'eau, alors. Bon, on va aller se faire un petit urbex nautique. Un urbex nautique, c'est bon ça. Parce que regardez là-bas. Ah, attends, il faut pas que je fasse tomber mon téléphone dans l'eau. Oh, en fait, là, vous voyez pas, mais oh le bordel. En fait, je m'enfonce jusqu'au genou. Bon là, vous pouvez pas voir, c'est sous l'eau. Oh punaise. Regardez, je suis. Oh punaise. Faut que je reste où j'ai pied, sinon le téléphone ça va pas être bon. Mais en fait, ouh. Oh putain. Quel con. Ah non, faut pas que je nage. Ah, j'avance doucement. Et regardez là-bas. Hein? Ben non, le téléphone il passe, regarde. Et en fait, là-bas, il y a un hangar. On va jeter un œil dedans. Alors, attendez, faut pas que ça soit... Aïe! Je me fais mal au pied. Faut pas que j'avance trop vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais en même temps, faut pas que j'avance trop vite parce que je risque, aïe, de faire tomber le téléphone. Et ça, c'est pas cool. Hein? Quoi? Non, mais il passe, regarde, là. Il y a pile poil. Mais non, mais regarde, il y a pile poil la largeur pour qu'il passe. Regarde, j'ai même pas besoin d'arrêter de filmer. Regarde, là, il passe, regarde. Hop, à ras de l'eau. Hop. Attends, putain, il touche presque l'eau. Hop, tu vois? Ah, par contre, ma tête. Attends. Pas que je le fasse tomber. Ma tête. Elle la passe pas. Ah, bah, oh. Quand j'avais fait tomber le téléphone dans les sources d'eau chaude d'Azura, j'avais dit, hein, si on veut faire des roches sympas, il faut prendre des risques. Ah, bah, ouais. Eh, c'est sympa, un vieux hangar. C'est marqué en plus dessus, au bigny, au bac. Le marin va nous emmener. Alors, il y a... C'est blindé. Ah, putain, on voit pas au téléphone. Il faut que j'arrête de dire, putain. C'est blindé de... Je pense que c'est abandonné depuis un bon moment. Enfin, c'est pas vraiment abandonné, mais c'est plus utilisé pour l'instant. C'est blindé de... C'est blindé de toiles d'araignées partout et de grosses araignées. Alors, attends, je vais essayer de monter à une main. Tu veux que je te tienne au téléphone? Ouais, ou je vais le couper, attends, je... Regardez, je vous mens pas, hein. Bon, il fait pas le point, c'est normal. Parce que faudrait que je mette ma main derrière l'araignée, mais elle se barre. Bref. Les filles, arrêtez de regarder le corps d'athlète de Jean-Jean. Il est déjà pris. Vous ne l'aurez pas. Quoi, Titi? Ouais. Alors, ouais, je sais pas, on voit pas. Tiens, regarde. Chaque toile d'araignée, il y a une grosse araignée dessus. Regarde, là, il y en a une là. Il y a des belles, là. Là, il y en a encore une autre là. Ah, c'est là. Ah, il a fait le point dessus. Celle-là est balèze. Ah. Et tout à l'heure, en plus, le pire, c'est qu'on s'en prend plein là dans la gueule. On se les prend dans la tronche, les toiles d'araignée, mais il y en a partout. Bon, on va aller voir l'autre bateau, on va faire le tour. Là, faut passer là-bas. Ouais, il y a encore un vieux moteur là, dans le bateau. Délire.
des gros chaînes pour le monter, t'as vu? Jean-Jean, t'as un trou dans ton caleçon? Ah bon? Non, c'est pas vrai. Oh, ça aurait pu être possible. Ah, les planches, elles sont pas, donnent pas confiance. Hein. Non, pas tout le monde. Allez, regardez, quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a encore une là. Planches, ouais, il y en a encore une là. On voit qu'elles n'ont pas l'habitude d'être dérangées. Hein. Attends, je vais essayer de faire le point, mais elle va se barrer, à mon avis. Hey, c'est un quartier chaud ici. Ah, puis celle-là, elle est noire, elle est toute bizarre. Allez, fais le point, téléphone. Ah, regardez comme elle est belle. Ah, l'horreur. Putain, je l'ai eu en gros plan, l'araignée. Dans une maison hantée. Ouais. Et moi ? Elle est venue ! T'as pas eu peur de la vase ? Hein ? T'as pas eu peur de la vase ? Non. Et Manu, il arrive ? Non. Ah, j'en ai plein la tête, quoi. Tiens, il y en avait encore une là. Jean-Jean, il vient de passer. Elle est en train de se barrer. Ah. Allez, faut pas avoir peur des araignées pour venir ici. Tu m'étonnes, toi. En plus, on est torse nu. Oh, le groupe électrogène de ouf, là. Il y a même une tondeuse. Regarde. Il y a pas beaucoup de gazon ici, mais enfin. Oh, le truc de ouf. Mais ça m'étonne que ça abandonne. Ça m'étonne quand même que ça abandonne. Non, c'est pas abandonné, mais je pense que là, ils l'utilisent pas depuis un moment. Avec le Covid et tout, à mon avis. Non, ça a toujours été comme ça. C'est la plus perpète, ils s'en servent pas. Ah ouais ? Ouais. Bah, de toute façon, quand tu vois toutes les toiles d'araignée, tu vois bien que c'est pas utilisé. Hein. C'est dingue parce qu'en plus, il y a du matos. Hein. Ça va partir à une grosse entreprise là du village. Ah ouais ? Oh, t'es à bord de mon petit ami. Oh, le délire. Il y a même le petit barbecue, s'il y a besoin. Ah oui. T'as regardé les corses toutes neuves. Dingue. Non, mais là, on prendra rien. On sait que c'est pas à nous. Puis ça, c'est de la sangle. Enfin, ouais, putain, c'est mais... du... Non, c'est peut-être pour les courroies, pour les... Ah non, regarde. C'est ce qui tient le bateau, là-bas. Ah ouais, si, c'est de la sangle. Ouais, c'est de la sangle. Mais ceux-là, ils sont mémères. Ouais. Eh hey Jean-Jean, je te filme et avec la lumière, on croirait Fort Boyard. Allez Jean-Jean, allez, chope la clé Jean-Jean. Je te... Wow, il a se cassé la gueule. Attends, il s'est écarté. Attends, je vais aller filmer Jack Sparrow là-bas. Quand Jack Sparrow... Non, laisse ça Liam. Ah, oh, l'étoile d'araignée, ah, oh, c'est une horreur. Eh mais il y en a partout. J'ai bien fait de passer en premier. Et t'as vu, elles sont toutes dans leur toile. Mais en vrai, ceux qui ont le bateau, il y en a moins. Je sais pas si vous voyez tous les petits points noirs là-haut, là, c'est que des araignées. Il y en a, mais partout, de chez partout, quoi. Yeah. Et là, je sais qu'en regardant la vidéo, il y en a plein, ils vont être en mode. Ah, ah, les araignées. Regarde, c'est bon, j'ai rapproché le navire. Il y en a encore une belle là. À là-bas. Putain, je suis deck qui fasse. Allez, je vais essayer de faire le point sur l'araignée. C'est comme elle est belle. Ça marche pas. Ouais, mais ah si, putain, ça marchait. Eh, c'est Halloween. Donc. Tu sais, j'ai tapé sur l'araignée. Yeah. Eh, si tu veux faire une soirée Halloween, tu viens ici. Hein. Eh, tu sais que ces téléphones, ils font quand même des vidéos de ouf. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Je vais essayer d'en reprendre une autre qui est juste derrière là. Vous la voyez la grosse là? Je vais essayer, mais attendez. Attendez. En fait. Mais le pire, c'est pas les araignées, c'est le couleuvre. Regardez. Le couleuvre. Ouais. Je vais faire le point dessus. Il y en a plein. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Ouais, on en verra pas. Ah, ça marche pas. Je sais pas si c'est en ce moment. Ah, c'est dans la flotte en plus, ouais. Ah, j'y arrive pas. Je voulais faire le point dessus, mais là. Ah, si, peut-être là. Comme ça, je crois, non. Non. Ah. Ils sont terribles, ces téléphones, j'adore. Ah, c'est des hyper. Ils marchent trop bien. Ouais, mais il y en a pas dans le nord, il y en a pas. C'est rare. Ah, il y en a, mais. Ah, trop la classe. Renault Marine.